Et bonjour les amis, c'est Maurice et Chantal de la Cantine. Bonjour Maurice. Bonjour Chantal. Alors aujourd'hui, il paraît que vous avez un objet extraordinaire à nous vendre. Je dirais même plus, je dirais extra méga extraordinaire. Ouh les amis, on part sur... on part loin hein. On part dans l'espace ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, nous allons pas vendre un objet, mais un pays. Car nous allons vendre la France. La France. Wow. Et oui, mon cher Maurice. Wow, la France. Mais c'est magnifique. On va vendre la France. Ce beau pays. Ce pays où nous sommes en ce moment. Ah, parce que maintenant, on vend des pays. On peut vendre des pays. Vous savez que la France, depuis quelques années maintenant, est un peu dans la mouise. Ils ont besoin de se refaire un peu d'argent. Ah, d'accord. Mais de toute façon, mais la France, comment on peut vendre la France? Cher pays de mon enfance. Les gens qui nous regardent peuvent appeler le téléboutique achat. Oui, pour acheter donc. Les boutiques achat. Pour acheter la France. Et après, la France lui appartiendrait. Déjà, la France appartient-elle déjà. Est-ce que déjà la France appartient-elle aux Français? C'est ça la question. Depuis quelques, quelques années, non. Et encore depuis le nouveau gouvernement, encore moins. Et puis, Chantal, allez-y. La France appartient à l'Europe. Mais oui, mais. Alors, qui aura les sous? Ce sera l'Europe, parce que ça servira à se retirer nous-mêmes de l'Europe. Et ce sera le nouveau propriétaire de la France qui décidera tout, qui deviendra en gros le chef des Français. Il pourra décider de faire ce qu'il veut, ça lui appartiendra. Quoi qu'il en veuille. Comme quand on achète une maison, on devient propriétaire. Waouh, voilà. Il pourra alors décorer, mettre du papier peint, refaire c'est les murs. Cela. Coller la moquette. Il fera ce qu'il voudra. Ce que vous voulez. Écoutez, vous, là, les amis, si vous voulez redécorer la France à votre goût, à votre souhait, faire pousser peut-être des marguerites, pousser des lilas, quoi qu'il en veuille. Il pourra même faire déménager la France. Waouh, on peut la faire déménager. On peut faire déménager la France. Si par exemple, vous voulez qu'un jour elle soit à côté de l'Autriche ou un autre jour... À côté des États-Unis, vous pouvez faire déménager la France. Vous voulez dire que la France rentrerait dans une valise? Évidemment. Évidemment, les amis. Donc, il faut peut-être être bon dans le pliage. C'est cela. Il y a une technique d'emboîtage de Cubix. Il faut, par exemple, mettre Lille et le coller à Marseille. Lille à Marseille. Et la pointe du Finistère de l'autre côté. Voilà. Et bien, franchement, ça a l'air féerique, tout ça. Je pense que déjà nos amis sont intéressés par cette jolie France. Y a-t-il un prix raisonnable? Alors, le prix raisonnable, il est de 77 centimes. Oh là là! C'est vraiment pas cher. Hein. Moins d'un euro. Moins d'un euro pour la France. Attention les amis, on est en dessous de l'euro symbolique. Là. Si personne ne l'achète, malheureusement, la France devra aller aux ordures ménagères. On va pas jeter notre jolie France quand même. Parce que tellement nous sommes dans la mouise. Dans la mouise, les amis. Donc, 77 centimes. C'est quand même hallucinant. Vous n'êtes pas trompé de virgule. Pas du tout, mon cher. D'accord. Mon cher Maurice. Donc, on parle bien de centimes d'euros. C'est ça. Ou centimes de francs. Centimes d'euros. Est-ce que le franc reviendrait avec le nouveau propriétaire? Ou peut-être qu'il pourrait changer décidera, le nom S'il veut, par exemple, que ce soit... L'écu les... Voilà, l'écu. C'est beau, l'écu. Ou des Chantal, payé en Chantal, par exemple, ou en Maurice. Ce sera possible, il pourra tout faire ce qu'il voudra sur son beau pays. Voilà, les amis. Et une promotion pour celui... Ah, attention, promotion. C'est lui qui sera propriétaire de la France... gagnera également la Corse, évidemment. La Corse est offerte. Et en plus, c'est bonus. On lui offrira la Suisse et la Belgique. La Suisse et la Belgique. Évidemment. Des chocolats, des frites. Voilà. Au top. Donc voilà, n'hésitez pas. Quoi de bon, hein 77 centimes. 77 centimes, pas on le répète, les amis, pour la France, quand même. Évidemment. Ce cher pays de notre enfance. Et allez. Notre cœur baigné dans l'insouciance et. Parce qu'au téléboutique achat, on est gentil pour la France acheter et on vous offre en plus une Brigitte Macron offerte. On vous offre tout ça. Non, dites pas plus. Peut vous offrir tout ça, donc n'hésitez pas. 77 centimes, c'est vraiment pas cher. C'est pas cher, les amis.
Donc, voilà, voilà, merci. Merci, les amis. Et merci, Chantal. Envoyez-nous vos chèques et vos espèces. Ouais.